avec un grand nombre de rejets et passant pour nous, comment décider donc ce qui constitue une île? Il y a matière à débat. Certains disent qu'il doit y avoir au moins un arbre. Reste dessus, niveau de l'eau toute l'année, et fait au moins 0,33 mètres carrés de taille. Les îles, quand en génération? Mais vous n'avez pas besoin de posséder une île pour profiter de l'archipel. Attention et suivre les règles. Je ne suis jamais sûre qui a le droit de passage.
les bateaux motorisés doivent céder aux canoës, bateaux à voile et autres bateaux sans moteur. Et tout le monde doit faire attention à ces au bruit des arbres et de l'eau rafraîchissante par un jour ensoleillé et leurs tonnes de bagages jusqu'aux îles. Chaque automne, tandis que les températures baissaient et que l'hiver approchait, les choses se tassaient peu à peu. Les citadins retournaient dans leur jungle urbaine et le calme recouvrait les îles. Mais ce n'était pas complètement. George Boldt,